Je vais parler de commande déjà. Ah oui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes coups de cœur depuis la rentrée septembre. Donc toutes les choses qui m'ont fait un peu vibrer culturellement depuis la rentrée. Alors on commence par les livres. Alors le premier livre, bon, ça va un peu hérisser les poils des plus intellectuels qui pensent au fait que le foot c'est juste un sport où il y a 11 débiles qui courent après un ballon. Donc c'est la biographie de Zlatan Ibrahimovic. Qui est écrite par un journaliste suédois. Je ne vais pas prononcer son nom pour éviter le carnage. Donc c'est l'histoire de ce petit gosse de banlieue suédoise qui est devenu cette star mondialement connue. Alors c'est finalement un livre sur l'adversité et comment elle peut être source d'énergie et de motivation. C'est un livre sur la persévérance, la détermination. Et surtout c'est un livre sur le fait qu'il est important de rester soi-même en fait, finalement pour réussir. C'est un livre qui est très intéressant, ça permet en fait de connaître un peu la personne au-delà du personnage et des clichés qu'on entend autour de Zlatan. Et finalement, pas besoin d'aimer le foot ni de connaître les enjeux en fait, pour apprécier ce livre. Et c'est encore mieux en fait, si vous ne connaissez pas l'histoire du foot parce que vous vivez un peu le livre comme un épisode de Captain Magic. Et vous êtes là en train de feuilleter les pages et d'attendre de voir ce qui va se passer. Donc voilà, c'est un livre vraiment intéressant, lisez. Alors, le deuxième livre, c'est pour Amelia Rigoupi. C'est par le même auteur qui a écrit Slumdog Millionaire. Comme quoi, les films les plus intéressants, c'est avant tout des livres. Alors, imaginez qu'un beau jour, quelqu'un vous vient, un milliardaire vient et vous propose de vous léguer sa fortune et qu'en contrepartie, vous devez réussir cette épreuve. Et ben, c'est exactement ce qui arrive à l'héroïne de ce livre, qui est Sapna, une jeune indienne, qui travaille pour se subvenir aux besoins de sa mère et de sa sœur, et qui un beau jour se voit proposer ce deal. Alors c'est finalement les sept épreuves, c'est pas vraiment les 12 travaux d'Hercule, mais c'est plutôt en fait des épreuves de la vie, des épreuves où elle doit faire appel à des qualités humaines comme l'honnêteté, le courage, l'intuition, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve, on se retrouve à nous poser la question qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Est-ce que j'aurais fait la même chose? Est-ce que j'aurais eu peur, etc. Donc c'est vraiment un livre pour penser aussi à ses propres réactions. Et aussi, c'est un livre qui vraiment vous tient en haleine, parce que vous lisez les 20 premières pages en une semaine et vous finissez par lire les 200 pages suivantes en une journée, quoi. Donc voilà, un livre à lire et à apprécier. Alors, le troisième livre, c'est pas un roman, c'est une enquête sur le mainstream dans le monde. C'est un livre qui essaie de répondre à des questions comme qu'est-ce qui fait que la culture américaine domine le monde? Est-ce qu'il y a d'autres cultures qui sont là pour contrebalancer cette culture? Est-ce que Bollywood ou la culture coréenne pourrait un peu remplacer ou détrôner un peu cette culture dominante? Alors c'est un livre qui vous fera changer la façon dont vous voyez maintenant le monde de la musique, des films ou de l'édition littéraire. Alors ce livre contient plein de pépites et parmi les pépites que j'ai apprises, enfin qui ont un peu changé ma façon de voir les choses, je vais vous en citer deux. Alors la première, bon, j'étais un peu naïve de croire que les coups de cœur des libraires étaient vraiment des coups de cœur, mais finalement, c'est des espaces pubs qui sont achetés par les maisons d'édition. Une autre question auquel répond le livre, c'est un peu pourquoi une chaîne comme Rotana, qui est l'une des chaînes arabes les plus dévergondées, arrive quand même à avoir son siège à Riyad en Arabie Saoudite, qui est l'un des pays les plus conservateurs, on va dire, dans le monde. Donc, bon, je ne vais pas vous gâcher de la lecture en vous dévoilant les réponses, donc lisez ce livre. Parce que c'est un livre intelligent. Alors maintenant, on va parler de films. Et dans les films, bien sûr, je vais vous parler du nouveau James Bond, le Spectre. Alors, voir un James Bond, c'est finalement comme aller au McDo. On sait exactement ce qu'on va vous servir et on vous sert ce que vous attendez. Et vous trouvez ça génial. Et donc, bien sûr, les acteurs sont beaux, les décors magnifiques, les courses poursuites haletantes. Donc, c'est vraiment un film qui est agréable à voir. Et bon, il y en a qui reprochent un peu à James Bond d'avoir perdu ce côté ultra viril. Mais moi, j'aime bien aussi cette nouvelle fragilité du personnage. Et donc, voilà, c'est un film à regarder sans prise de tête. Mon seul regret, c'est que Monica Bellucci, finalement, elle n'apparaît pas beaucoup dans le film.
Donc, mais à part ça, vraiment, c'est un film à voir. Absolument. Maintenant, je vais vous parler d'un film marocain. C'est le film de Mohamed Moustakier, L'Orchestre des Aveugles. Alors, je l'ai conseillé à toutes les personnes que j'ai rencontrées qui t'a passé pour une fille obsessionnelle. Alors, c'est vraiment un film excellent. L'histoire est vraiment touchante, mais elle n'est pas larmoyante. Les acteurs sont d'une justesse incroyable. Alors, le film se passe dans les premières années du règne de Hassan II. Et on suit un peu les histoires de ces personnages qui font partie et gravitent autour de l'Orchestre des Aveugles. C'est un orchestre où les hommes, ils se font passer pour des aveugles pour pouvoir jouer dans des fêtes qui sont réservées exclusivement aux femmes. Je suis incapable de vous raconter vraiment l'histoire du film parce qu'il y a plein de petites histoires qui font vraiment le charme et la beauté de ce film. Donc, si vous arrivez à le voir, faites-moi signe et dites-moi ce que vous en pensez. Le film suivant, c'est un film argentin, Les Nouveaux Sauvages. Si je vous dis disjoncter, péter un plomb, péter un câble, vous pensez à quoi? Ben, c'est exactement ce dont parle le film. Et finalement, il raconte ces petites histoires qui sont indépendantes et où le personnage principal pète un plomb. Je sais que ça vous est arrivé d'aller à une administration ici et que ça vous a tellement énervé qu'à un moment, vous commencez à imaginer ce que vous vouliez faire à ce crétin qui est en train de vous faire perdre votre temps. Et bien, c'est exactement de ça que parle le film. Et finalement, c'est une sorte de catharsis vraiment agréable et vous sortez du film un peu vraiment soulagé. En êtes-vous ? On parle de quoi maintenant ? La musique. Oui, alors bon, on était très très gâtés à la rentrée, il y avait plein de concerts. Et donc je vais vous parler de trois coups de cœur. Le premier, c'est le groupe de fusion de Destin. C'est un groupe qui mélange poésie arabe, son électro, rap, voix puissante. Vraiment, et le mélange est un pur délice. Toutes les personnes qui ont écouté ça, je pense, ont aimé. Donc, n'hésitez pas à écouter. Alors, le deuxième coup de cœur, c'est un rappeur, c'est Mouchou, qui s'appelle Avant Musique. Alors, je trouve que son écriture est vraiment très, très intelligente. Comment ? Il représente cette génération un peu, ou plutôt cette tranche de la population qui est la cultivée, éduquée, mais qui ne veut pas que la culture ou que l'intellect soit quelque chose de lisse, de bien pensant ou à la limite du luxueux. Bon, je vous préviens un peu, si vous pensez qu'il y a l'art propre et l'art sale, ce n'est vraiment pas fait pour vous. Si vous pensez que le rap, c'est pas aussi une forme de poésie, eh bien, passez votre chemin. Alors, le troisième coup de cœur, c'est la résidence à l'Espus Cervantes d'une chanteuse espagnole, Carmen Paris, et de Nabila Ma'an. Alors, c'est vraiment le mélange de musique andalouse, de rythme espagnol. C'était vraiment très agréable, c'était vraiment un délice. Et aussi le mélange de la voix de Nabila Ma'an, qui est douce, angélique, avec la voix de Carmen Paris, qui était plutôt rock, puissante, c'était vraiment exquis. Autre événement, alors je vais juste vous parler d'un autre événement auquel j'ai assisté, c'est la rencontre avec Youssef Boudelaire. Youssef Boudelaire, alors vous avez sûrement vu cette photo qu'il a prise d'une petite fille yézidi qui fuyait au fait de Syrie. Et en fait, c'est une photo qui a fait le tour du monde. Il y a deux choses qui m'ont vraiment impactée dans cette rencontre. La première, c'est que quand quelqu'un lui a demandé s'il avait peur parce qu'il mettait sa vie en danger en allant dans des zones de conflit, ce à quoi il a répondu que la peur, il faut finalement la garder au ventre parce que si elle monte à la tête, c'est la panique. Et finalement, ça dit que tout le monde a peur, c'est juste qu'il y a des personnes qui décident de s'arrêter là et d'autres qui décident d'avancer quand même la peur au ventre. Et je trouve que c'est intéressant comme message. Alors, autre chose qui m'a vraiment impactée, c'est qu'il nous a montré les autres photos qu'il a prises après cette belle photo. Et les autres photos étaient vraiment beaucoup moins intéressantes, elles étaient banales.
Parce que finalement, la fille, elle se rendait compte que, on la prenait en photo dès qu'elle commençait à sourire un peu timidement, un peu comme tout le monde. Et finalement, ça dit que la photographie, c'est vraiment la magie de l'instant et c'est le fait de savoir saisir ces instants magiques, finalement. Je voulais vous parler aussi de l'artiste coup de cœur de la vidéo. C'est un artiste en germain qui s'appelle Mouad Aboulhanan. Alors, il mélange un peu des choses de tradition marocaine avec culture contemporaine. Ça donne des mélanges un peu drôles, très, très pop art, un peu graffiti aussi. Moi, en tout cas, j'adore. Donc, si quelqu'un veut m'offrir un cadeau, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On peut arrêter. On finit. Après, je vais aller manger. Et après, c'est trop. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah, j'ai pas dit bonne année. Bon, bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. À l'année prochaine.